Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Bonjour Yvan. Enchanté. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. Bonjour Thomas qui est en FaceTime avec nous aujourd'hui. Salut. C'est une image fixe. C'est la dernière vidéo de la saison pour nous. Il s'est cassé un jour avant. Il a le don. Oh, et puis, il est, faut le dire, très déçu vu le concept. Ah oui. Il est au fond du trou. C'est un petit peu comme aux Oscars ou aux César quand il y a quelqu'un qui est pas là et qui est très déçu de pas être là. Ouais. Il nous a envoyé une petite vidéo. Salut les gars, je suis vraiment désolé de pas pouvoir être là pour ce tournage avec vous, le dernier tournage de la saison en plus. Désolé, en fait, c'est souvent je suis très occupé, j'ai beaucoup de travail, du coup j'ai pas pu faire le déplacement et... Merde. Adorable. Oh, c'est sincère, on sent. Écoutez, je suis très content de faire cette vidéo avec vous, les gars. Parce que j'ai un parfait mélange de bonnes franchouillardises de vacances. De camping. Et d'extérieur de grand air. Bonjour, enchanté. Je suis le cette poignée de main, c'est le concept de cette vidéo. Messieurs, dames, nous allons construire un camping flottant. Pourquoi? Eh ben, arrêtez de poser tout le temps des questions. Il n'y a pas forcément de réponse, ok? Un camping flottant, dans mon idée, c'est une sorte de mini-ville. Okay. Je place le mot. Avec commerce, évidemment, rue, évidemment. Différents endroits de vie. Ouais. On peut se déplacer. Tout à fait. Je veux pas que les gens se disent de cliquer sur quoi là? Sur encore une plateforme pourrave avec trois parasols? Non, c'est vrai. Je veux que les gens se disent ah ok, ils ont construit Manhattan. Mais il y a beaucoup de proximité avec les voisins, il y a de l'intimité. Voilà. Mais en même temps, le soir, on se retrouve tous ensemble. Il y a une place du village. Ouais, il faut une gare. il faut tout. Ça, il a Disneyland l'endroit. Mollo quand même. C'est parti pour la construction. Oui. On va déjà regarder ce qu'on a comme matériel. Oui, alors déjà on a ça, c'est des fois cubes. Un nombre indéterminé. Beaucoup de cubes. Oui. C'est des cubes flottants qui servent normalement à construire un port. C'est ça, c'est ça. C'est pour ranger ça. Des bateaux. Ah là, non mais là tu peux accoster un yacht avec ça. Yacht today. Ça va toi? Et ce soir c'est sur les campings, oh, bah, je vais te enfin pour la compète de pétanque. Ça c'est des trucs qui se mettent normalement à l'arrière des bateaux. L'idée c'est de pouvoir mettre les tentes dessus. Ouais, c'est une bonne drôle, c'est ça. Ok. Et on a tout un tas de trucs assez fun. Regardez-moi, il y en a un hydroforce. Le traditionnel. Comfy cube. Mettre un truc gonflable comme ça dans sa piscine, c'est beauf, mais le mettre dans son salon, c'est giga beauf, non? Oui! C'est vrai que ça a été conçu pour mettre dans son salon. Oui, oui, oui. Là, on est très très loin d'Artesan de la Qualità, tu trouves pas? Là, le poltron et sofa, le mec en tablier. Loin, loin, loin! Non, c'est Polstron et Soda. Polstron et Soda. Artisan de Qualità. Il y a une image dont je suis très pressé, c'est de poser le Weber sur la plateforme flottante. Mais c'est tout le principe de la vidéo. Mais bien sûr, fait, mais bien sûr. On y go? Oui, oui, on y va. Je préfère quand il y a le crayon, moi, ça me... Oh, moi, ça me va très bien. Tu vois, ça me décharge un truc. Ouais. Oh. C'est ça que j'avais en tête vite fait comme ça, de projet de base, avec une grosse plateforme centrale, la place du village, avec la piscine, tout ça, machin, tu vois. Ah, l'hydroforce, je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Tu veux mettre l'hydroforce au milieu? Non, faut que ce soit sur l'eau, l'hydroforce. Oui. Ah oui, sinon, ça pouvait être genre ça, et vous avez plein d'îles reliées. C'est pas une structure en Belgique, un peu stylée Oui. Non, c'est la structure moléculaire de l'hydrocarbone, ça veut rien dire. Allez, t'as une idée, ils vont pas. Bah ça, je trouve ça pas mal. Sans conviction, quoi. C'est une autre hypothèse. C'est vous, les dessinateurs. J'ai oublié vu. On appelle ça la ligne. Moi, je fais du feu, c'est tout. Chut, il a un concept. L'artiste s'exprime. Il y a notre super plateforme. Hydroforce. Ouais, appelle-le par son nom. Hydroforce, Hydroforce, Hydroforce. On a un peu le même effet que ça. Mais en moins bien. En plus faisable. En moins galère. Surtout. Moi, je vote toujours pour celui-là. Oh là, tu sais, parce que c'est le patron. T'arrêtes de. C'est vrai. C'est vrai. Comme ça là, c'est vrai. Ça se voit un tout petit peu. Il y avait un truc avec ton idée de base quand même. Ah, c'est pas mal ça en fait. C'est bien. Mais du coup, on pourra récupérer les moteurs et les accrocher sur la plateforme. Complètement. Un camping flottant, mouvant, mais sûr. Allez, on fait comme ça. Vas-y, champion. Ah, c'est stable, hein. C'est stable? Ouais, franchement, ouais. Tiens. Allez, on fait comme ça. J'ai pas fait la blague du pipi. Ça va pas l'air très normal. Je veux bien l'outil. Ah bah attends, j'ai ce qu'il faut, j'ai ramené ce qu'il faut ce matin. J'ai looté ça. Ah c'est ça. Je l'ai attrapé par la couille. Je l'ai retenu par la couille. C'est vrai qu'il a fait ça. Let's go! Plus que 200 sacs! Oh, je me suis jamais senti aussi arrimé dans ma vie, quoi. Et bah, go, on fait quoi? On fait des couloirs de deux, quoi, en fait. J'ai rien compris, mais go! Go! Parce que moi, c'est la dernière vidéo avant que je parte en vacances, là. Demain midi, je suis au camping 5 étoiles, les écureuils de Saint-Hilaire-de-Riez. Bon, on s'en fout des couleurs? La plateforme du milieu, on peut la faire en blanc, tu vois. Donc, faut que ça fuse. Aussi bien au niveau des vannes que les petits cubes qui flottent, ok? La plateforme du milieu, on la fait en blanc. Parle tout seul, là. Ta gueule, on passe notre port. Liste des fautes graves inscrites dans le code de l'entreprise. Insulter son supérieur hiérarchique de manière véhémente. Mais non!
Non, mais c'est amical. C'est amical. C'est fou parce que là, en pleine vidéo, j'ai envie de changer, de faire, on construit un pont, on doit aller de l'autre côté. Bon, la foutre. Et on traverse en pique. Ouais. Excusez-moi, mais ça marche bien là ensemble. Nous trois. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Moi, là. J'ai l'impression qu'on s'imbrique un petit peu comme Marine Flore. Ah oui. Parce que tu vois, dans mon exemple, il y a 4 et 4 doigts. Ouais, non, là, c'est plus 3. Ouais. Faites-le à la maison, vous verrez, quand on est 3, ça s'imbrique mieux que 4. C'est vrai. Dès que t'en rajoutes un, il y a un déséquilibre. En fait, t'es en train de dire que Thomas, c'est le pouce. Hein. Un petit peu. C'est bien. Ça, c'est méchant. Un petit peu à gauche. Oh, les petits coups de rein. Ok. Ça y est, je me rends compte que ça va être long. Oh putain, je sens que dans 2-3 heures, je vais avoir une baisse d'énergie. Oh, si c'est que dans 2-3 heures, franchement, ça va. Doucement, ça part vite, hein. Ah. C'était certain. Ah. Ah. C'est un moyen de propulsion. Ah, ben, il s'en sent presque. Qu'aucun être humain a encore testé. Je pense qu'il y a des gens qui font des études de physique. Est-ce que ce qu'il fait peut un jour le ramener ou pas? J'imagine. Ah, là, tu t'éloignes. Et c'est à l'autre sens? L'autre sens. Ah, tu t'éloignes encore. C'est ouf, dans les deux sens, ça va pas dans la bonne direction. Vas-y. Yes. Oh putain. Ok, let's go. Oui, oh, let's go. Est-ce que je suis un bonhomme ou pas? Sincèrement, c'est tellement plus facile d'être là-bas. Ah ouais. Tu trouves? Ben, on continue par là-bas. Alors. Maxime, je te trouve dur. C'est pas si difficile que ça. Il y a un indicateur très simple de à quel point on en a déjà un peu marre des vidéos construction ou de l'avancement. C'est quand Yvan commence à faire ses persos là. Ça, c'est en général qu'on est à 3 quarts d'heure. Et puis surtout quand il est désarimé. Hein. Bon, en gros, cette vidéo, c'est essentiellement des gros plans sur nos culs. On continue de faire ça? On fait ça, ouais. Allez, on continue de faire ça. Bah, c'est celui-là, du coup. Le mec me regarde premier degré, il me dit on fait ça. C'est-à-dire, on fait quoi? On fait quoi? Pousse-toi. Non, t'as tout niqué, monte dessus. Oh, il va vraiment finir à l'eau. Il a un équilibre le type, mais moi ça ferait longtemps que je serais dans la vase. T'as pas une petite corde? Tu prends tes petites mains puis tu pagaies? Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Yvan, tu sais faire du paddle? Oui, je peux faire ça. Ok. Ah. Ça va tourner un peu, oui. Eh bah, tu vois quand tu veux. Dans le bon sens, s'il te plaît, par contre. Oh putain. Ouais, c'est... C'est dans le bon sens. Quand Thomas ira le trop dans une vidéo construction. Quand Wade fait passer par des toutes petites routes de campagne, alors que c'est pas forcément plus court. Ah, je savais que ça, c'était pas assez. Oh. Allez, viens là, grand bonhomme. Vas-y, donne-moi de l'inertie. Normalement, c'est avec Thomas que t'as ces moments de rapprochement. Tu vois, depuis qu'il est plus là, il fallait forcément que tu trouves un petit peu de tendresse ailleurs. Les délais de livraison AliExpress, parce qu'on devait avoir des tentes flottantes pour cette vidéo, elles sont jamais arrivées. Ah. Suivant. Hey, c'est ouf, il cherche les limites. Bah il est trempé là. J'ai mouillé mes chaussures. Bah oui. Bah c'est miraculeux qu'il y ait que les chaussures en fait. J'ai jamais vu aussi actif en fait pendant. C'est vrai ça. C'est un délire. C'est vrai, j'ai mangé beaucoup de birédi aussi. Les inventeurs de quoi couper? T'as les crampetés? Un pagnon? Là. Oh, le tapis volant de beauf. Je suis très heureux qu'on installe dès à présent cette ambiance camping. Il est trop chaud. Moi, franchement, ça m'énerve. Juste de la jalousie. Les gens qui me contredisent alors qu'ils ont raison. Ok. Messieurs. Yes. Le carré. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On était là au plan d'avant, mais nous, on a fait une pause. Ça passe vite, hein. On va sur une petite île au milieu, c'est le projet depuis le début. Mais alors, c'est galère, hein. C'est comme dans Minecraft, quand tu veux faire une sphère, chiant. Bah là, c'est un peu le même délire. Franchement, j'ai aucune crainte, ça va se passer très bien. Bah ouais. Franchement, si t'as tout en tête, on t'écoute, hein. C'est parti, j'arrive avec le premier plateforme, bon, messieurs. Alors, moi, ce que je propose, c'est que je reste là, hein. Ouais, je commence. Nickel. Est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah là, là, bah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dans le bon sens, ça part de là. Mais c'est pas le pont, là, c'est l'île, hein. Ah oui, mais quand même. Mais on s'en fout, là, on attache les deux ensemble. Ah, c'est ça que tu veux faire? Oui. Moi, je trouve qu'on a pas assez communiqué là. Sur les... Pardon, désolé, t'as raison. Faut qu'on aille plus souvent chez notre conseiller conjugal. La vie en communauté par Étienne. Couloubé, j'en approche. Oh. Oh putain. Mais putain, la communication. Attends, j'arrive, je vais te pousser. Non, je vais te pousser. Pousse pas. Oui. C'était plus violent dans ma tête, en vrai là ça va. Allez là. Vas-y. Oui. Bah ouais. Oh putain. T'es trop con. Oh. Non, fais pas ça. Ça fait 3 minutes, je suis parti. Je reviens à terre. Ah non, mais là, tu t'en sers comme canne, tu vois. Mais oui, c'est ce que j'essaie de faire, mais... Oh. Faut y aller d'un pas sûr. Suffit de... Allez, vas-y. Ouais, enfin, pour moi, c'était le summum de l'aventure. C'était ton moment. Chier, tu vois. Ah non, mais vas-y.
Waouh. J'ai les petites jambes, moi, t'es marrant. Tain, là, ça va commenter, là. Oui, il l'a fait, il l'a fait. Il est sorti de sa zone de confort, well done. Mais c'est mieux si c'est symétrique, non? Tu veux qu'on enlève celle de, les deux du bout? Donc, j'enlève les deux, là, qui sont là. On ouais. est obligé, au bout d'un moment. Allez. Est-ce que je peux avoir la poutrasse? La double, hein. Des bouches machin. Je crois qu'on lui a donné un nom différent à chaque fois. Le double pied de biche. Us. Oh, je vais tenter une doublette. Maxime, tiens-moi ça. Vas-y. T'es une première mondiale. Guinness Book. Guinness Book des records. Dis donc, c'est week-end double XP ou quoi? Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Un marteau? Hop là, voilà, là on va en mettre un. Allez, Kokoubé. C'était un beau moment de notre existence, ça. Bon, t'inquiète, ça tombe bien, il y a la flibule juste à côté. C'est très fun. Attends, attends. Ça servait à rien. Je veux plus faire l'île. Oh, je le tente. Il le tente. Il va le faire. C'est un peu excitant. Ouais, j'ai vu. T'as failli tomber comme ça. Il transforme l'essai. Il en reste plus qu'un. Maxime. Quoi? Je suis démarqué. Putain, il lance oh bien. Non, le lancer était parfait, t'abuses. Bah, j'ai peur d'avoir mal aux mains, j'ai une entorse ici. Ah bah fallait me dire avant. Hop là, 360. Ah, presque. Ok. Presque. Oh bah ça va là. Voilà, voilà. Là il est soudé. Et bah, okay. Bienvenue sur Paradise Island. Putain, c'est beau en vrai. Ah c'est bien, bravo les gars. En vrai elle est cool, bravo. Point progression. On a fait l'encadrement, l'île au milieu. Ensuite, à chaque angle ouais. du carré, on va faire des grands espaces de vie. Et ensuite on va faire un petit ponton qui va partir comme ça vers le milieu de l'océan Atlantique, qui va venir desservir les petites plateformes où il y a les tentes. On y va? Allez. Oh là là. Je serais toujours impressionné par la recherche et développement de Decathlon quoi. Les nouveaux paddles qui rentrent dans le coffre là en 6 morceaux. Tut. Tut, tut. Yes, let's go. Avec deux margoulins, on y arriverait. Ouais, j'ai cherché l'autre. Elle est où la clambouille? Il nous faut une deuxième clambouille. Allez, 1, 2, 3. Oui, 2, 3, ça c'est bien ça. Yes. Je mets un petit peu de pelouse pour que c'est de la gueule. C'est vrai que pour l'instant, on est encore sur une ambiance de parking à bateau. Relativement décevante. Ça va bientôt changer. Grâce à ça, de la poudre aux yeux en rouleau. On vous a pas tout montré, mais c'est vrai qu'on a un petit peu poussé sur les rebords. On se rapproche de la fin en termes d'espace. Ouais, là, en termes de structure, il manque un dernier espace, on en parle juste après. Oh, c'est très bizarre. Oui, t'as vu? Point de vue équilibre, t'as ça plus fait de repère. Un peu trampoline, ni... Oh là, j'arrête mes conneries tout de suite. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vas peut-être pouvoir nous aider découper. Avec plaisir, monsieur. J'ai rarement vu aussi efficace depuis une vidéo construction. Thomas. Ah, il n'y a pas, oui, pas Thomas. On déroule? Oh, tu déroules ça bien, Maxime. Oh. On va se baiser à un moment donné. Hein. Oui, oh. Voilà, enfin. T'es temps, hein. Tu comprennes un petit peu les perches que je te tends avec 3 ans. Bon, on a déjà quelque chose de sympa, mais on s'est dit qu'on rajouterait peut-être un petit lopin de terre, quelque chose comme ça. Un truc simple, histoire de rajouter peut-être une petite salle des fêtes, quelque chose comme ça. Vas-y, vas-y, avance. Ouais, ouais. C'est bon, faut la faire pivoter. Ouais, d'accord. Non mais la tronche de ce truc. Oh, je sens que ça va être chiant. Je t'en bats tout. En même temps, amarrer la moitié d'un continent, ouais. T'as jamais été simple. Hein. Ouais. Demande à Christophe Colomb quand il a dû amarrer l'Amérique. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, impact. Yes. Incroyable! Faut que je tape où? Viens récupérer un bite d'oignon! Elle va couler! Elle va couler! Elle va couler! Mais tu dois récupérer un truc là! Oh, merde, qu'on a fait tomber! Ta bite! Merde, merde! Sur la bite! Et au pire, je saute de. Oh mon dieu! Allez au bord, bord, bord! Non! Oui! Oh le con! Oh le con! Adieu, Vitas! Vraiment à une seconde près! C'est pas bon ça? Sur un karaoké, le bar, tout ce qui est animation, c'est au bout du ponton! C'est ici! Vous vous dites que c'est débile? C'est loin d'être fini. En effet, il a raison, c'est vrai. Je sais pas si ça rend pareil à la maison. Mais en tout cas, de notre point de vue, on a construit le Taj Mahal. Tu l'as dit aussi tout à l'heure. Moi, il y a un moment que j'attends avec impatience, c'est le... Ah ouais. Le moment où on va déplacer une ville. Manhattan, ouais, ça va être vraiment bien. Faut qu'on installe les couchages. Un accueil à faire parce que pas de camping sans accueil. Et les activités. Il y a plein d'activités, exactement. Un truc gonflable. Faut qu'on voit où est-ce qu'on les met. Et puis ça, une petite ambiance un petit peu huile déserte. Avec... Il faut allumer le Weber, ça met du temps à chauffer. Hein. On s'y met. Voilà, là ça commence vraiment à devenir un camping. On a la prod qui nous aide parce que la partie gazon est en train de s'envoler parce que oui, c'est pas du vrai gazon. Et puis on s'attaque à l'île finalement. Regarde, à partir de maintenant, c'est un vrai camping. Merci. Hop là, attention Étienne, j'arrive. Le fameux saut de barbecue. Alors ça, le calvaire. C'est mignon ça.
Un petit parasol. Il est hors de question que ce soit quelqu'un d'autre qui le mette à ma place. Bah, sur eux, ce Maxime, attends, je viens de t'aider. Non, c'est mon truc, c'est moi qui le mets. C'est pour juste pour que tu passes les ronces, après je te le redonne, promis. Attends, je fais une marche arrière. Vas-y, marche arrière. C'est moi qui le mets. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Ça commence à être débile. Oui, je me suis fait la réflexion aussi. Mais moi, c'était en 2014. Parce qu'à la base, moi, je voulais être community manager chez Ubisoft, en fait. Puis là, je mets des riselants pour attacher un salon sur l'eau, là. T'es sûr de ton coup? Oui. Ça, c'est, il dit ça quand il est pas sûr de son coup. Merci, Yvan. Avec plaisir. Oh non. Alors là, tu te démerdes. Eh ben voilà. Ok. Ça commence à quasi donner envie de payer pour ça, quoi. Hein? Je ne comprends rien à cet accessoire, Maxime. Ça a même pas l'air marrant. Let's go. Messieurs, c'est parti pour un rodéo. Attends quoi? Oh, il est trempé, là. T'es mort là? T'es dans la giga merde là? Le mec il est oublié. Je suis bloqué. T'as besoin d'aide non? Non, oui. Putain mais c'est pas vrai. Je suis tout mouillé. Bon c'est étonnant que tu sois mouillé qu'à 18h en fait. Ah ça fait froid aux jambes. T'es quoi le projet là? Je sais pas, j'ai pourquoi plus. Pourquoi? Tu j'ai regrettes plus rien, là. Est-ce que tu regrettes? Ah j'ai plus rien, je sais pas comment me sortir de cette situation. Bon, attends, j'arrive. On n'est pas aidé. Hein. T'es con putain, t'es con. Faut que je sorte de là. T'es trempé comme un coup. Ah ouais, ah ouais. Bah oui, mais un texte là, ils sont pas capables de faire des trucs qui flottent. Non mais mec, c'est trop trop cool de tester des activités pour les clients. Bah. Non, on sait que bah c'est pas fou quoi. Un flat à boule. C'est trop. Ouais bah un flat à boule, un flat à les boules, oui. Ouais, c'est clair. Vous êtes bien un flat à boule, vous. Et on n'oublie pas ce soir, on va élire le Mister Camping. Ah oui. Le plus sexy des Mister des campings. Je sais qu'il va parler avec ça tout le reste de la vidéo. Ouais, je sais pas si on vous l'a dit, mais on vient d'installer la tonnelle de l'accueil. Parce que bah faut bien accueillir vos clients, faut qu'ils payent aussi. Ça, si c'est pas camping, j'y connais rien. Oh, l'idée de merde. Yvan ? Ouais ? Est-ce que t'as l'impression que c'est fini, là ? En tout cas, vous faites un super boulot. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ça y est, ça me saoule. Ça y est, t'en as ras le cul? Ouais. Bravo, hein, belle résistance. Ça va pas tomber, ça. Non, hein. Tu la couches? Ah, putain, il est malin. Ouais, voilà. Hyper sécurisé. Allez, on enchaîne. À quelques heures de l'ouverture, tout le monde panique. On en est où, mon cher Étienne? Bah là, je suis en train de finaliser l'accueil. Avec voilà un petit manche debout pour les petites cacahuètes. Ok. Lors du pot d'accueil, on aura. Ok, ok. Évidemment, on a tous les programmes qui sont là, qui sont en préparation. Uh-huh. Ou qu'on vous présentera tout à l'heure. Uh-huh. On vous concocte une semaine de fou, les amis. Hein. En tout cas, on vous attend nombreux. Absolument. Ah ouais? Maxime! Oui? Il nous faut un nom pour le camping. Etienne, vas-y, donne ton idée, Etienne. Hydroping. Ok. Bah oui, ça marche. Camping, il survit sur l'eau. Moi j'ai autre chose, je balance. Ouais. Aquacamp. Aquacamp. Bon, après voilà. Oh, c'est vraiment. C'est vrai qu'il a bossé là-dedans. Bonne idée. Résumons ce qu'il nous reste à faire. On va mettre ce putain d'hydroforce, puis après c'est bon. Ensuite on allume, on met des lights. On va accueillir les gens. Il y a des clients. Super, avec plaisir. J'étais où qui tient ma cam, il veut dormir. Ouais, non, il fait noir de la caméra. Il a pas l'air très. Non, mais c'est son renin qui bug, c'est son stabilisateur, il fait n'importe quoi. Ça bug, c'est normal. Ouais, okay. Il n'est pas mis à jour. C'est le dernier tournage de la saison là. Ouais. Les gens veulent le rentrer chez eux. Non. C'est son renin. Il parle bien avec son renin. Il préfère. Peut-être juste le renin qui a envie de partir chez lui, mais le mec. Juste lui, hein, vraiment. Hydroforce. Par là. Une structure inédite dans le monde de l'animation. Exactement. Ok, on bascule hydroforce. Devant, let's go. C'est parti, hydroforce. T'es chiant, Yvan. Baguette. Tu finis toujours comme ça. T'es prêt? Ah, attendez, attends, vas-y. Mon micro a pris la flotte. La scène. Oh. Can't open in my mind. Non, t'es chiant. Pardon, j'ai glissé. Yvan ne parle plus dans aucun autre ustensile que son micro. Enlève lui son micro-cravate, ça sert à rien. Je vais peut-être revenir à la surface. Oh, arrête de bouger, je t'en supplie. Ok. Allez, je reviens à la surface. Oh putain. Hydrophore.
Force. Ah, ce soir, j'ai autant de dire, je vais bien me taper une petite saucisse là-dessus. Oula, ça veut dire quoi? Dans ton petit langage des deux sèvres, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire se taper une saucisse? Manger une chipolata, quoi, je veux dire. Ok. Au barbecue. Ok. C'est hilarant parce que là, il y a marqué Hydroforce et juste à côté, il y a marqué TM. TM. Donc, ils ont déposé le nom Hydroforce. Putain, les cons. Bah, globalement, les seuls qui auraient pu leur voler ça, c'est l'industrie navale, l'armée. Mais non, c'est Intex qui l'a, Hydroforce. Bien joué à eux, hein. Quelle belle photo de famille. On se retrouve dans quelques instants pour vous, dans 8 jours pour nous. Messieurs, dames, vous l'attendez depuis si longtemps et voici enfin l'ouverture d'Aquacamp. On accueille tout de suite nos deux invités. Oui, enfin invité, on a payé quand même, ça coûte une blinde votre truc. On l'a surtout construit. Oui, et on va le déplacer au milieu de l'océan. Invité d'honneur. Hop là, on n'oublie pas le collier de fleurs. Ça c'est sympa. Merci. Aquacamp, qu'est-ce que c'est? C'est un camping sur l'eau. Fin du concept. Si je peux me permettre, les vacances n'ont pas commencé. C'est vrai. Ah oui, les claquettes. Tant que papa a pas mis ses claquettes. C'est parti, la fête commence. Ça fait plaisir. Évidemment, l'accueil où les bateaux peuvent amarrer. Là, on est encore à terme, évidemment, quand on sera en plein milieu du lac, on amarrera par ici. Magnifique. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec l'Hydroforce. Wow, c'est l'Hydroforce. Mais c'est un truc de ouf. C'est ce qui m'a convaincu sur votre brochure. Ah, j'y croyais plus. Vous l'avez vu à la télé, maintenant vous le voyez en vrai. Waouh. Ah, c'est cosy, hein. Ça donne pas envie d'y aller. Vous pouvez y entrer à au moins une bonne quinzaine. Est-ce que vous avez d'autres dans votre merde flottante? Ah, bah attendez, c'est pas fini. Sur votre gauche, comme vous pouvez le voir, nos deux moyens de locomotion pour bouger notre belle plateforme, notre beau camping. Okay. Double moteur. Mais qui est-ce qui pilote ça? Bah, ça va être vous, hein, parce que bon, on n'a pas de staff, hein, je suis seul. L'île au central, bien évidemment. Ouais. On y mange, on y prépare les grillades. Soyez prêts parce que c'est bientôt. Ça, pour le West Time, ce que tu viens de faire, c'est fou. Ils vont manger des saucisses. Ah, ouais. Il y va, le concours de plongeon. Oh, merde. On est bien? Oh, on est très bien. Okay. Ça va. Attendez, le retour va se passer beaucoup moins bien, par contre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, là, là. Allez. Oh, là, là, là. Bon, vas-y, hein, comme ça. Ah, voilà. Comme ça, rien. J'aurais adoré qu'ils chutent maintenant, quoi. Après tout ce qu'on a vécu. On continue cette merveilleuse visite avec l'allée des héros. Ah, c'est génial! Triple d'utilisation. Oui. Première, on accède à la salle des fêtes. Okay. Deuxième, on accède au lit. Okay. Et le samedi après-midi, on y fait le tournoi de Molki. Ah oui, okay. exact, trop bien, putain. Et donc, vous avez mis une salle des fêtes, alors? Une salle des fêtes, absolument. Ah, ça, bah, c'est allez-y, rentrez, faites comme chez vous. Hein. Ouah, la vue! Ah, mais il y a une machine à fumer! Ah, bah là, c'est la folie. Hein. Ah, stop, la fumée. Mais comme elles sont inclus? Bien sûr qu'elles sont inclus. Petit chute. Oh là là! Ouais. Non mais attendez, c'est vide là pour l'instant. Qu'est-ce que je vous sers? Mais non. Vous voulez la spécialité du camping? Ah oui, avec plaisir. Ah, le cocktail spécial? Cocktail de bienvenue. Alors, le cocktail de bienvenue. Non mais donnez à Yvan de la fatigue, un peignoir et un micro. Il est dispo pour vos mariages et bar mitzvah. Ça commence avec un fond de guignolette. Bluetooth Mag. Une petite lampette Cointreau. Oh, le Cointreau. Tu connaissais ces boissons avant de le faire, le cocktail? Absolument, c'est le cocktail de bienvenue, je le fais avec tout le monde l'adore. Et là, direct, on voyage et on ramène un peu de soleil avec le jus de maracuja. Il manque quelque chose, non? Il manque un peu de fête. Là, c'est le cocktail de bienvenue. Allez, on y va, on n'hésite pas. Et c'est parti, c'est la fête. Si c'est bon, c'est cool, hein. Ça fonctionne. C'est peut-être un peu fort, mais ça tape, hein. C'est ça le camping. Alors, quoi, ça tape, mais c'est sympa. C'est drôle parce que t'as mis que des ingrédients exceptionnels. Il y en a un des quatre, c'est du vieux punch de camping. Pour rappeler un petit peu l'endroit où on est. Tu vois, c'est très l'endroit de camping. Ah ouais, parce que ça cogne. Tout de suite. Non, je vous inquiétez pas, continuez à faire des blagues sans moi. Très bien, d'accord. Okay. Et donc, ça fait combien de temps que vous faites ça? Bon, ça fait. Ça doit faire une bonne demi-heure. Je commence à avoir de. Vous en avez vu des clients? Vous en avez vu des clients? Putain, j'en ai vu. J'ai tout bu, c'était un régal. Je vous en reprends pas, je vais finir au champagne, moi. Avec plaisir. Je vois que vous aimez les bonnes choses. Mais je peux vous refaire les mêmes, hein. Non, mais franchement, vous embêtez pas. Ouais. On dit de moi, je vous vois un petit peu le client relou. Ouais. Mais pour le prix que j'ai payé, j'aurais aimé être au milieu de l'océan, quoi. Vous avez entièrement raison. Hissez les voiles, capitaine. C'est parti. Ok. Messieurs, dames, il est enfin temps de prendre l'air, de prendre la mer. La mer. La merde aussi. Elle m'a pris, elle ne me prendra pas plus. Et c'est parti, on y va. On allume les moteurs, messieurs, on y va. Yes! Oh putain, on avance déjà! On avance vraiment! J'adore cette scène à chaque fois! C'est incroyable! Allez, on y va, on lâche rien! Et on peut difficilement être plus excité avec Étienne, hein! Mais quoi? Mais c'est incroyable!
Ça fonctionne merveilleusement bien. Ça marche. Vraiment, on tourne super bien. C'est génial. On est en train de déplacer une ville. À aucun moment donné, je pensais que ça allait marcher. là, vraiment, on est en pleine mer. C'est incroyable. Vas-y, continue. C'est les moteurs les moins puissants du marché. Hein. Oh, bah ça fonctionne. Hein. Et ça déplace un continent. Excusez-moi, vous disiez, ça déplace quoi? Un continent. Un continent, exactement. On lâche rien et on reste pour les chipots. C'est pas fini. C'est hilarant ce qui se passe. On est vraiment en train de pivoter. Oh, c'est n'importe quoi. Mais ça marche super bien, votre truc. Hein. C'est con, putain, qu'est-ce que c'est con. Oh, c'est pour ça que je fais ça. C'est quand c'est con comme ça. On est bien là. Ouais, on commence à être bien, ouais. Coupe tout. Jetez l'ancre. Et c'est jeté. Et bah putain, il est pas allé très profond, non? Elle a pas été bien loin. Troisième ancre. Ah ouais. Ah ouais, c'est déjà fini. T'as accroché ça comment? Tu jettes et après tu t'espères que quelqu'un fasse le reste. On est au milieu de nulle part. Exactement. Oh là là, comme ça fait plaisir. Ah, et bah, c'est le début des vacances. Ça y est, on y est. Eh hein. Les gars, on se donne rendez-vous sur l'île. Allez, on fait comme ça. Allez, moi je passe par là. Tu passes par là. Je suis déjà, je vous dis. Parce que comme c'est immense en fait, à tout de suite. On s'y perd. Je suis à côté de l'hydroforce. Ok. J'arrive. Foutage du patron, mon pote. Oh putain, je crois que la promesse est tenue quoi. Il y a vraiment une ambiance camping de bâtard là. Ah ouais. T'as cliqué sur une minia, on te donne ce qu'il y a sur la minia. Maintenant tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes. Et tu conseilles aux copains, tu conseilles à la famille et tu dis moi ça c'est mon petit bonbon du dimanche. C'est vrai ça, faut partager un peu. Ah ouais, ça s'arrête. Il a petit coup de bail. Bluetooth mode. Bon, il nous l'allume le barbecue. Oh. Ok. C'est complètement débile comme ustensile. Non, attends, c'est naturel. Vous en avez pas marre de rester à la fin des vidéos? Oh, sincèrement. Le plateau de Frampton, mon pote. Wow, la dingue. Oh, il me sort un atelier gourmand du Châteaubourg. C'est tellement trop grand pour nous. C'est vrai que c'est trop grand. C'est trop grand. Il manque juste des gens. C'est ça qu'on oublie dans le processus. Oui, puis marketer le truc, quoi. Oh, bah voilà. Les brochettes de dinde aux agrumes. Les fameuses. Les gars, je crois, vraiment, je vous fais une petite confidence. Ouais. C'est vraiment la première fois que je suis impressionné par le résultat final. Ouais. Parce qu'en général, nos attentes, elles sont là. On arrive à les approcher. Mais alors là, là franchement, ouais, regarde cette gueule, on a vraiment un putain de camping flottant. Mais frérot, il y a le cirque plein d'air au fond. Oh non, là c'est sympa. Oh ouais. On a envie d'y passer une semaine. Et c'est marrant comme quoi, à chaque fois qu'on est trois, on accomplit des merveilles. Oh, quoi. Ça fonctionne. Normalement, on fait des tournages d'une journée pour faire ça. Ah. On a commencé à 14h. On a eu des sacrés coups de main de la production. À un moment donné, la pelouse, c'est pas nous. Guilty. Est-ce que ça mérite pour autant un trait de Twitter? Non. Je vais le faire moi-même. Je trouve ça dégueulasse. Je suis pas sûr qu'on y arrive à cette affaire. Mais non, mais vas-y, mec, fou l'allume-feu. Arrête avec ça. Non, mais c'est naturel. C'est de la grosse merde. C'est 100% naturel. Non. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que le pétrole, c'est naturel en fait. Donc c'est facile de mettre 100% naturel. C'est vrai qu'on oublie souvent ça. Le pétrole, c'est juste des petits dinosaures morts. C'est vrai. J'ai soif. T'as ouvert une goudale, mais t'en as ouvert qu'une. C'est bizarre quand même. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, je t'ai trouvé dur. Allez, je la sabre. C'est une idée de merde. C'est la première fois qu'il reconnaît que c'est une idée de merde depuis le début de la journée alors qu'il a eu que ça. Oh, t'es chiant. Oh, lui t'as plus ton meuf. Merde. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore sur cette saison. C'est vrai, t'as raison. C'est la dernière vidéo de la saison pour vous. Vous la voyez dans un ordre qui n'a rien à voir. C'était chouettos, encore plein d'idées, encore plein de choses pour la prochaine saison. Gros shout out aux cadreurs et cadreuses de cette vidéo parce que c'est quand même tenir une caméra pendant 14 heures en filmant des gens qui n'ont pas grand chose à dire la plupart du temps. Extrait d'un moment où il avait rien à dire. Et là, vous êtes en train de me dire que c'est la fin de saison, il faut que j'aille en vacances, là. Je vois pas l'intérêt, en fait. Il faut qu'il se calme aussi un peu. Ah, mais il me fume en vacances, hein. Ah, quand je me brosse les dents, ils en ont ras le fion. Je sens bien le soir. Le château de sable avec les gamins. Oh, ouais. Ça vous dit pas, on fait une petite vidéo, genre plus gros château de sable, celui qui arrive à se battre contre la mer et tout? Non, ça serait sympa. Cette vidéo déjà sortie, c'était un échec. Je me prends plein à fumer dans la cœur. Ah, ouais, là, c'est du mauvais côté, mon pote. Et tu vois, c'est là que la mention 100% naturel, on n'y croit plus, parce qu'il est complètement défoncé, en fait. Moi, j'ai très envie de savoir votre meilleur et votre pire tournage. On a tout ça. De cette saison? Je pense que c'est un des tournages les plus fatigants, genre en mode ouah, faut gérer la fatigue à tout instant. C'est ce qu'on a fait dans le sous-marin tous les deux. Genre vraiment, on a pris un tarot au niveau fatigue. Non, en vrai, niveau. Enfin, ça m'a pas tant choqué que ça. J'ai pris un tarot. Alors que t'as moins bien dormi que moi en plus. Mais t'as l'habitude, en fait, tu dors jamais bien. Ouais. C'est peut-être pour ça. Après, les vidéos Lego avec Thomas au bout de la nuit. Oh, ça a l'air dur. Hein. C'est des cycles, hein, les tournages. Il y a des moments dans le tournage où on prend beaucoup de plaisir. Et deux heures après, on est au fond du trou parce qu'il y a un problème technique ou parce que ça avance pas, parce qu'on n'arrive pas, machin. Voilà, c'est normal, c'est la vie quoi. De toute façon, il y a les tournages où on prend un peu de plaisir et il y a les 100 couches. Ha 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 ha!
Elle est bien, je te déteste. Si, moi je le sais quand même. Moi j'ai adoré Voiture Chinoise. C'était il y a un an pile, ouais. Avec Villebrequin, c'était génial. Et puis même le côté les petites épreuves et tout comme ça, un peu professeur, ça m'avait fait. Dès que ça fait un petit côté Top Gear, il aime bien. Bah ouais, c'est vrai, j'ai une sortie là-dessus. Ouais. On a quand même posé dans cette nouvelle saison Ferrari. Ferrari et Lamborghini. Je pense qu'on a préparé Ferrari quand même. Sur le trajet. Il y avait la primeur, on a vraiment galéré. Ouais. Enfin, je sais pas. Et le trajet était plus cool. À Vif, c'était vraiment bien. Un très bon tournage. Moi j'ai eu des meilleurs retours sur Lamborghini. Ah ouais, alors que moi je trouve que le Ferrari est mieux que Lamborghini. Ouais, bah mais tu vois, c'est marrant, j'attendais pas autant de gros retours comme ça. Alors moi, en très bon tournage, en très bon souvenir, bah, on est déjà allé au Canada. Étoilé, surgelé et aussi les découvertes de lieux style genre le chalet. Ah ouais. Le lieu est trop bien, incroyable. J'adore ces vidéos. Putain, cette saison-là a quand même commencé vraiment avec les vidéos GP Explorer. La vidéo 1, elle me fera toujours chialer, je pense. Ah, elle est géniale, quelle émotion. Allez voir la deuxième, la première a été beaucoup vue, et la deuxième, celle qui relate la course, a été moins vue, donc allez-y. Qui est le coupable tribunal? Oh, ah ouais, trop bien. Top 1. Va falloir faire un épisode 2 à un moment donné. Sincèrement, depuis que cette chaîne existe et qu'on est ensemble sur cette chaîne, moi, je sais pas si j'ai pris autant de plaisir que dans cette merde. Ça fait longtemps qu'on parle de faire des concepts où il y a un peu d'improvisation. Bah, on fait que ça de l'impro. Y a pas de si. Oui, c'est vrai. Je déconne, tout ce que je dis depuis le début est scripté. Regardez, le prompteur s'affiche en même temps que je parle. Non, je suis trop fier la vidéo ce mois, franchement. Elle est trop, trop bien. Ouais, c'est très belle. Moi, les gars, quand j'ai regardé, vraiment, je me suis vraiment mis une petite claque devant. Et il y a Morgane qui est là, qui a fait un excellent travail pour le montage. C'était incroyable. On s'en rend peut-être pas compte. Sous-marin, c'est 2 mois de montage. Masterclass, bravo. Il n'y a pas de vidéo si on n'est pas là, mais il n'y a surtout pas de vidéo s'il n'y a pas de monteur. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, il y a un travail de fou de toutes les équipes déjà d'ailleurs. Non, Théo, il est nul. Non, c'est vrai que Théo, c'est une merde. En montage, t'es nul. Théo à la régie, donc en fait tu fais pas de montage. Raft, c'était cool hein. Moi j'y croyais pas. Bah tu croyais pas beaucoup plus ce matin. Regarde la ville qu'on a fait. Par rapport à la vidéo, tu la trouves vraiment cool. Au niveau de la cohésion de nous quatre, genre c'est trop marrant. Genre la scène de tempête. Ils sont morts de là. Tu vois, ils sont en train de rigoler. Si tu veux demander de pub, que demande le peuple? Quel bonheur. C'est quoi votre vidéo préférée de l'année? Et c'est quoi celle où vous vous êtes dit oh, camping flottant? Oh, please. Wow. C'est laquelle qui a fait le moins de vues cette année? J'enlève les reacts, c'est la vidéo 3 histoires d'inconnus là. C'est le deuxième épisode. Ouais, c'est dommage. Mais franchement, moi par contre, c'est dans les meilleurs souvenirs de tournage parce qu'en fait, c'est des histoires de ouf et c'est tellement immersif de passer d'un décor à l'autre et tout. C'est trop cool à faire. Et trop marrant qu'on ait une histoire chacun de ouf et qu'on fasse nos trucs. Ah ouais, drôle. Saucisse ou merguez? Moi, je veux bien une saucisse. Une saucisse pour Yvan. Allez, on the rocks. Ça, c'est trop intéressant ce qu'on a raconté, franchement, bravo. C'est vrai. T'es sûr que c'est cuit? Je sais pas, mais c'est chaud en tout cas. Là, c'est camping. Messieurs, dames, c'est sur cet instant chipolata. Oh non, qu'on vous propose une petite outro. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement, regardez-moi ça. Oh, j'avais oublié. Oh, la salle. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a plu. Vous pouvez envoyer Poule P-O-U-L-E au 92 050. Ça fait un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert dont je suis le parrain. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle saison qui en fait pour vous redémarre directement la semaine prochaine. Y a pas de coupure, on y va direct. Bon, allez. On se dit à bientôt. À la semaine prochaine en fin de compte. Bah ouais, au final à la semaine prochaine et puis on part en vacances. Ciao les gens. Au revoir. Tchuss. Ouais, quand je fais ça c'est que je suis un peu cool.